Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons être avec Edgar, qui est un franco-arménien et russe. Et avant tout, j'aimerais vous demander de me contacter pour venir nous rejoindre sur Zoom, faire des interviews avec moi sur ce qui vous intéresse, ce qui vous gêne, ce qui vous préoccupe. Voilà. Vous, les internautes, vous aussi, vous avez besoin de parler et de vous exprimer. Et ce sera sur notre chaîne. Allez, donc, maintenant, Edgar va nous parler de sa position ambiguë, puisqu'il est franco-russe et arménien. Oui, bonjour Edgar. Alors, vous êtes français, Oui. vous êtes moitié français, moitié et russo-arménien, c'est ça? Je suis d'origine arménienne, mes deux parents sont arméniens, oui, et j'ai la double nationalité. J'ai Ah, été vous avez la naturalisé. double nationalité? Oui. Ah, on peut avoir la double nationalité russe et française? Oui, je suis un exemple. Donc, je suis français depuis 2022. Ouais. Ah oui. Donc, c'est assez récent. Donc, ouais, ça faisait 14-15 ans que j'étais en France et j'ai enfin été naturalisé. C'était au bout de la troisième demande. C'était un Oui. chemin très laborieux. Je pourrais y revenir si vous souhaitez. Et donc, du coup, aujourd'hui, je suis fier d'être français et russe, même si voilà, aujourd'hui, je suis plus français que russe, même si je suis né là-bas. Et du coup, depuis 2022, je suis vraiment déchiré en deux entre cette guerre en Ukraine. Et toutes les déclarations de Monsieur Macron, voilà, enfin, Et vous c'est avez un peu. alors, vous avez des relations encore avec la Russie? Oui. Alors, du coup, j'ai des amis, j'ai ma famille qui restait là-bas. Ah oui. Donc, j'ai un échange assez régulier avec eux, plusieurs fois par semaine. Donc, c'est très compliqué pour moi en fait de juger leur ressenti parce qu'en fait forcément eux ils partagent ce qu'ils vivent là-bas, ils sont pas directement impliqués par la guerre. Ils savent, enfin vraiment ils, tous les jours ils se lèvent, ils pensent pas à l'Ukraine du tout en fait. Vraiment c'est Oui. sauf les personnes qui s'intéressent à la politique bien sûr, mais voilà ils sont assez indépendants on va dire là-dessus. Ils savent que c'est compliqué. Là, récemment, ils ont été touchés par l'attentat à Crocus City Oui. Hall. Il y a toujours des événements comme ça qui viennent rappeler les événements, voilà, la politique extérieure. Donc voilà, moi j'ai des nouvelles là-bas, j'ai des nouvelles en France. Je suis entre les deux. J'écoute. J'ai une oreille là-bas, une oreille en France. Et le cerveau, il fait la liaison, le mélange des deux. Donc, j'ai même des sources ukrainiennes Oui. pour voilà, mieux juger. Et alors, c'est dur alors d'être franco-russe, non? En fait, je Parce me que sens assez vous êtes incompris. ballotté, non? Au tout début, en 2022, quand j'ai appris l'invasion, je disais naturellement, peut-être pendant quelques semaines, puis quelques mois, je disais que je suis arménien et pas russe, parce que bon, c'était ma carte joker pour me cacher un petit peu un sentiment de honte, parce que j'aime pas les pays en guerre, tout simplement. Vous avez raison. Voilà, et en fait, petit à petit, donc, cette honte, elle est partie. J'ai réussi de nouveau à dire que je suis à moitié russe. Tant pis ce que les gens ils vont penser. Et si jamais ils sont curieux et ils veulent pas faire de préjugés, ils vont me poser la question sur la Russie. Et moi, je serais fier de répondre leurs arguments. Parce que s'ils mangent que du LCI tous les jours, forcément, je les comprends. Donc voilà, maintenant, je suis devenu, pardon, de nouveau le binational que j'étais avant. Donc moitié russe, moitié français. Et du coup, voilà. Donc, c'est plus compliqué comme avant, en tout cas. Voilà. Aujourd'hui, je suis droit dans mes bottes, j'arrive à argumenter, et parfois, les gens, ils ont juste du mal à entendre certains arguments en France. Ah bon, lesquels ils peuvent pas entendre? En fait, c'est pas
comment dire? En fait, la Russie, elle était tellement diabolisée aujourd'hui à travers des médias, parce que pour le public, c'est plus facile de dire qu'il y a un méchant et un gentil. Et quand on contredit cette pensée générale, ben en fait, on passe pour un pro-poutiniste, on va dire. Alors moi, je ne défends pas Poutine sur les crimes qu'il a commis. Je défends Poutine dans le sens où il a lancé des alertes, il a été ignoré, il défend son pays, il défend sa patrie. Là-dessus, on ne peut pas le reprocher. Après, les techniques qu'il a employées, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Mais en fait, je me mets à sa place. Et quand on se met à sa place et quand on doit défendre son pays, bah je me dis, quelle carte on a? Parce que depuis 2000, on a lancé des alertes, on a dit, attention, attention, là c'est la ligne rouge, c'est la ligne rouge, une énième ligne rouge, et la énième ligne rouge est ignorée. Bah, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, voilà, moi, je ne défends pas la guerre, mais en fait, si l'OTAN et les États-Unis ils étaient gentils, si on vivait dans un monde de bisounours, effectivement, j'aurais critiqué Poutine comme pas possible. Mais aujourd'hui, en fait, le monde n'est pas si gentil que ça. Il y a des guerres économiques, il y a des guerres à tous les niveaux, en fait, guerre informationnelle, guerre énergétique. Donc voilà, lui, il défend son pays, il défend sa souveraineté, chose qu'en Europe, on la perd de plus en plus. Et là-dessus, je le défends. Là, franchement, et même par exemple au niveau de la culture, en France, on est très influencé par la culture américaine ou d'autres cultures. Après, ça fait à la fois la beauté de la culture parce que ça fait une culture, enfin, ça fait une multiculture, une belle mixité, mais en même temps, on récupère aussi les mauvaises choses des autres cultures. Il n'y a Oui, pas il y a un que. effacement d'une certaine culture qui est Voilà, c'est ça. complètement, C'est plus ça, le mot. qui est délirante. Là-bas, en fait, la culture, ça ne les dérange pas, en fait, de vivre pendant encore 300 ans pareil. Ils préfèrent que ça ne bouge pas, en fait. C'est simplement, voilà. Même si là, ça bouge, voilà, la Russie d'aujourd'hui, ce n'est pas la Russie d'il y a 20 ans, mais il y a très peu d'évolution. Alors qu'en France, l'évolution, elle est beaucoup plus flagrante entre Oui, les années malheureusement, oui. 70, 80, 2000, 2020. Donc, voilà. Donc, il y a une certaine protection culturelle là-bas. Et Je suis dites-moi, frappé. Oui, dites-moi. qu'est-ce que vous pensez des positions de la Russie par rapport à l'Arménie? Récemment, j'ai une petite incompréhension dans le sens où la Russie a tout intérêt à soutenir l'Arménie jusqu'au bout parce que ce n'est pas un pays au moins qui pourrait être séduit par l'Europe occidentale. Et là, je les ai sentis un peu à l'écart vis-à-vis de ce qui s'est passé avec l'Azerbaïdjan. Et les Arméniens, aujourd'hui, ils ont un certain doute. Ils se sont sentis abandonnés par la Russie, militairement parlant, parce que, bon, économiquement, il y a toujours des échanges intéressants. L'Arménie ne peut pas se passer de la Russie aujourd'hui. Et le président Pachinian, il me semble, il hésite en tout cas. Enfin, je ne sais pas quel virage ils vont prendre, mais j'ai juste peur qu'un énième pays de plus rentre dans l'Europe et l'OTAN éventuellement et que ça éclate aussi là-bas de leur côté. Enfin, tout ce que je ne souhaite pas. Alors, la Turquie, c'est un pays très intéressant parce que c'est le rare pays de l'OTAN avec qui il a des bonnes relations. Et je suis même étonné en fait s'il n'y a pas un double intérêt, notamment au niveau militaire, pour étudier le matériel de l'OTAN. Si la Turquie peut, je sais pas pour X raison, voilà, partager certains secrets, enfin, je sais pas. Je suis vraiment étonné de la position de la Turquie parce que c'est un pays très différent d'un pays européen, aussi bien culture déjà, voilà, on peut pas appeler ça une vraie démocratie, pardon. Et pourtant, ils sont dans l'OTAN, et pourtant, ils sont soutenus, et pourtant, ils ont leur droit de veto. Par exemple, notamment au niveau de l'intégration de la Suède, ils ont posé leur veto pour ne pas intégrer Ils la ont Suède posé dans leurs l'OTAN. conditions, ouais. Voilà. Et alors, la Turquie, du coup, ils ont un avantage, du coup, d'être amis, on va dire, de deux côtés.
Et c'est ce que j'aurais voulu que les autres pays européens, limite, aient comme Mais comportement oui. assez neutre, on va dire. Ben, c'était normalement le rôle de la France. Oui, normalement. Oui. Alors aujourd'hui, c'est marrant parce que enfin, la France, avant, on m'a toujours dit que tout le monde respectait la France au niveau international. Si la France dit quelque chose, bah, on l'écoute. Et Oui, j'ai enfin, l'impression. on l'a pas vraiment écouté en Irak, mais enfin bon. Oui, mais bah, après, le discours de M. de Villepin, il a été quand Villepin, même très salué. Je l'ai écouté, ce discours, il est tellement bien écrit. Vraiment, je suis étonné de ce niveau de discours. Et cette classe politique, on ne l'a plus aujourd'hui, en fait. ah Moi, je serais non. heureux Mais que. Villepin était un grand littéraire. Ah oui, bah ça Ouais. se ressent dans ton discours. Ouais. Ouais. Donc Mais voilà, non, j'ai été on n'a plus ce genre d'homme frappé quand on voit ses journées. de ça. Oui, tout à fait, ouais. Ah non, mais il est sorti de nulle Dieu. part, ces journées, j'ai pas compris. Et donc, en fait, voilà, donc, moi, ce que je regrette, en plus, bah, même encore aujourd'hui, de Villepin, il passe sur les plateaux médias et S'engage d'ailleurs. Il se bat. il envoie quand même des, voilà, des Oui, il se discours, bat il beaucoup. se bat, ouais. Donc, pourquoi pas, voilà, de lui donner un peu plus de pouvoir dans la politique. Mais bon, les gens, c'est tellement manipuler, on va dire, les médias pour promouvoir tel ou tel candidat, que ce soit lui, François Ruffin, Monsieur Asselineau ou plein d'autres que je pourrais limite défendre, mais la majorité ne va pas suivre. Ouais. Ils ne vont pas suivre. Il Bon, bah écoutez, faudrait des Ludo. gens qui cherchent la paix. Aujourd'hui, on ne cherche pas la paix, on cherche la rivalité, en fait. On Oui, c'est essaie de ça, oui, exactement. Vaincre la Russie, sauf que c'est nous qui payons les conséquences. C'est là aujourd'hui, on paye les conséquences. Les États-Unis, ils se frottent les mains. C'est pour moi, tout se passe Oui, contre eux, les côté États-Unis se des frottent les États-Unis. mains. Ils importent toujours de l'uranium chez eux qui est russe. Nous, ils Oui. veulent nous interdire de renvoyer les déchets en Russie, etc., etc. Les déchets nucléaires, parce que la Russie continue à retraiter nos déchets. C'est le seul pays qui peut retraiter des déchets actuellement. Ah oui, bah ça je savais pas. Mais ouais, donc c'est vraiment étonnant que ça fasse pas plus de bruit dans les médias. Voilà, cette ingérence étrangère et américaine. D'ailleurs, en France, on parle beaucoup d'ingérence russe dans la politique. Et l'année dernière, la DGSE, ils ont sorti un rapport. Il me semble tous les ans, ils sortent un rapport. Et ils ont conclu que 80% de l'ingérence étrangère en France, c'est les États-Unis. Oui. Donc, sauf qu'on n'en parle pas. On Oui, préfère les méchants russes que. Je sais plus c'est quel monsieur, il a dit une phrase. Être ennemi des États-Unis, c'est dangereux, mais être ami des États-Unis, c'est fatal. Kissinger. Kissinger. J'avais un doute, mais ouais, ça doit être lui. Kissinger qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Oui. C'était donc l'adjoint de Nixon. Oui. Alors, à cette époque-là, j'ai très peu de connaissances. Je me souviens juste de l'épisode Cuba, Ah oui, en de la 62. crise des missiles. Et ce que je dis au travail, par exemple, bah, pour imager, enfin, pour faire la comparaison avec la crise de Cuba, bah, je leur dis, bah, c'est ce qui se passe aujourd'hui, tout simplement. Exactement, C'est exactement. exactement la même chose. Exactement, sauf que enfin, la crise de Cuba, il y avait eu, enfin, les Soviétiques avaient mis des missiles à Cuba parce qu'il y avait des missiles en Turquie, et qu'à ce moment-là, tout le monde a retiré ses missiles, que ce soit les Américains ou les Soviétiques, parce qu'il y Donc, avait le bouton. ouais. 50 ans après, l'histoire se répète et Oui. c'est avec d'autres personnes. Donc, ouais, peut-être ils ont la mémoire assez courte. Que, voilà. Alors aujourd'hui, la Russie n'a plus besoin de placer ses missiles à Cuba parce qu'ils ont des missiles qui ont 18 000 km de Aucun portée, donc intérêt. aucun intérêt. Après, il y a Kaliningrad qui est très armé militairement, donc pareil, en fait,
juste plus besoin d'avoir des bases militaires comme les États-Unis. Même d'ailleurs, ça me fait rire. Les États-Unis, ils ont des centaines de bases militaires dans le monde. La Russie, elle en a de deux ou trois. Mais ça, c'était pour leur, c'est pour leur marine, surtout. C'est ça. Donc là, bah, les gens, ils sont pas choqués qu'il y a enfin, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un gendarme du monde. Les gens, ils étaient alignés dessus. Et sauf qu'il y a eu des dérives. C'était pas uniquement pour la protection, c'était également bah, pour des raisons économiques. Ils sont même pas obligés d'envoyer un pays, les États-Unis, pour le maîtriser économiquement, en fait. Parce qu'ils ont une telle puissance à plein de niveaux que voilà, ils peuvent plier, on va dire, n'importe quel pays, sauf les pays les plus rebelles et la Russie. Parce que la Russie, voilà, ils veulent pas suivre être un de ces pays, entre guillemets, esclaves. Alors, ce qui est intéressant avec la Russie, c'est qu'ils ont pris, ils sont maintenant le porte-drapeau des pays du Sud. Enfin, si c'est possible de dire qu'il y a des pays vraiment du Sud, mais quand même, le porte-drapeau de certains pays qui en ont marre de l'ingérence américaine. Oui, Voilà. Et qui il se y en disent, a. bah, eux, au moins, ils résistent. Ah ouais. Bah, c'est ce que disait Et M. ça a Poutine, en été fait. le tournant de la guerre en Ukraine. C'est ça, bah, en fait, quand on demandait l'avis des autres pays, ils ne voulaient pas se prononcer. Ils ne voulaient pas prendre parti, en fait. Donc, bah, tant mieux, on va dire, parce que enfin, plus un pays reste neutre, mieux c'est, on va dire. Ne pas prendre parti, tel ou tel parti. Même la Chine, qui est plutôt du côté russe, reste assez neutre dans ce conflit, on va dire. Et donc voilà, bah, moi je défends la neutralité, la paix. Pour moi, on peut rester amis entre deux puissances à condition qu'on respecte, qu'il y ait un respect mutuel en fait entre les deux puissances. Bon, bah écoutez, merci Edgar. À bientôt. Alors moi, ce que je fais, je vais faire un petit montage, je vous envoie un lien et vous me dites si c'est OK ou pas. D'accord? Très bien. Merci beaucoup. Allez, au Merci à vous. revoir. Au revoir.